Bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue, 18h, 18h30, chaque jeudi soir. 01 Live Hebdo, c'est votre show hebdomadaire consacré à toute l'actu high-tech en direct sur 01Net TV. Smartphone espion, téléviseur mouchard, euh, quand la CIA exploite à fond toutes les techniques des hackers, ce sont les révélations de Wikileaks, c'est l'info high-tech de la semaine. Avec Eric Le dans un instant, nous allons voir ce qu'il faut retenir de ces révélations. Un robot pompier, un robot, euh, un drone hybride, moitié avion, moitié hélicoptère. Vous voyez à quoi ça peut ressembler Eh bien, vous allez le découvrir dans un instant, puisqu'Amélie Charnet est allée faire un tour au salon de la robotique où elle nous a déniché plusieurs pépites françaises. C'est le robot là qu'on apercevait, le fameux robot pompier. Uber, le service de VTC, pousse euh, euh, véritablement très loin l'usage de la technologie. Voilà qu'Uber utiliserait un logiciel pour euh, éviter la police. Ce n'est pas terrible en termes d'image de marque. Ce sera le sujet de la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier ce soir. Nous la retrouverons vers 18h15. Du côté du labo 01Net, comme d'habitude, que vaut le smartphone Huawei P8 Lite C'est l'une des nouveautés de la semaine et Jean-Sébastien Zanqui viendra nous donner son avis. Raphaël Grabli de son côté va venir nous parler du tout nouveau bracelet connecté Fitbit. Il s'appelle le Alta HR. Et puis il nous a également déniché une, une coque pour smartphone un peu particulière. Pour tout vous dire, j'en sais pas plus. Donc j'ai hâte de savoir ce qu'elle a de si spécial. Il viendra nous expliquer ça tout à l'heure. Comme chaque semaine, la question 01 net orange. Vous savez, vous pouvez voter au cours de ce live. Vous nous donnez votre avis sur un thème d'actualité. Et cette semaine, évidemment, eh bien on parle, 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 de parle, de parle, ces, parle, ces, parle, parle. Et de tout ce que cela implique. Suite à ces révélations, craignez-vous la surveillance à distance Est-ce que vous pensez que nous sommes directement menacés, nous, pauvres mortels Ou bien ça ne concerne que euh, certaines personnes euh, et certains services d'espionnage vous allez sur www.01net.com, vous cliquez sur le petit sondage et puis donnez-nous votre avis, oui ou non, on fera le point tout à l'heure en cours de live. Voilà, c'est 01 live et c'est parti. Mais avant cela, euh, ben voilà, vous, vous, mon camarade François Sorel n'est pas là cette semaine, il se repose loin d'ici, il l'a bien mérité. En revanche, nous sommes avec la crème de la crème de la rédaction de 01Net. <laughs> Amélie Charnet, qui va nous parler tout à l'heure de ce fameux drone un peu spécial et puis de ce robot euh, pompier. Mais avant cela, Eric Lebourlou. Salut Eric. Bonjour. Directeur de la, la rédaction de rédacteur en chef Pardon. de 01Net.com. Ouais, pas encore directeur de la pas réaction, pas mais pas ça, viendra, ça viendra, ça viendra Eric. Ouais, ouais. Euh, tiens, plaisir. évidemment, avant de commencer, on rappelle que comme on est en direct, et ça c'est bien, vous pouvez interagir, poser vos questions à Eric ici présent à propos de Wikileaks et puis évidemment aux autres journalistes à propos des autres sujets qu'on va aborder. Principalement sur Twitter, hashtag 01 Live sur Twitter, on attend vos réactions, vos commentaires, vos petits messages sympas, comme chaque semaine, hein, vous connaissez la musique, et on y répond en temps réel. Eric. Ouais. C'est vraiment c'est l'info de la semaine. Ça fait oui, énormément ça, ça de, ça bruit. Fait de bruit. Ouais. Hein, euh, Wikileaks, qu'on ne présente plus, qui euh, nous a sorti des milliers et des milliers de documents émanant euh, visiblement de la CIA ouais. euh, et qui montrent quoi euh, ces documents finalement ça montre beaucoup de choses. Enfin oui, il y en a, il y en a effectivement un peu plus de 8000. Euh, bah, C'est un petit peu toute la cuisine interne de la CIA qui est devant nos yeux ébahie, dévoilée comme ça. Euh, C'est assez génial puisqu'on peut voir bah, tout, tout ce que peut faire la CIA en matière de surveillance électronique. Mmh. Euh, alors il y a beaucoup de... Pour une fois, hein, Wikileaks, n'a pas tout montré. On savait que Wikileaks avait eu... Il y a eu plusieurs polémiques euh, à l'époque quand Wikileaks avait notamment donné des noms de personnes dans les documents qu'ils avaient fait fuiter. Là, ils ont oui, quand même oui. censuré beaucoup de choses, notamment les cibles euh, de la CIA. qui on, Malheureusement, on ne peut pas savoir qui, sont, qui, qui cible comme ça ouais. la CIA. Mais donc il y, y a beaucoup de documents censurés, mais on voit quand même, grâce à ces, grâce à ces milliers de documents, euh, on découvre beaucoup de choses. En alors, fait, la petite cuisine des hackers, en fait, si vous voulez, de la CIA. Alors Eric, s'il y avait trois choses principales à, à retenir, ce serait quoi alors déjà, bon, alors faut, y a, y a, on peut s'étonner de voir ça euh, fuiter en ligne. Euh, mais euh, voilà, la CIA est une agence d'espionnage. Il est bien entendu euh, normal que la CIA utilise d'outils un petit peu euh, différents bah sur ouais. toutes les plateformes. Pour, pour, C'est des espions, hein. ce sont des ouais, espions, sont, ils font donc leur ils, boulot espions. De, voilà, ils font, Ils font leur boulot d'espion. Donc on apprend euh, qu'effectivement, les, les espions de la CIA peuvent s'attaquer à des ordinateurs sous Windows, à des Mac, à des Android, à des iPhones, etc. etc différentes techniques de hacking que tous les spécialistes de sécurité connaissent. Hein. C'est pas. Mmh. On, en fait, est-ce qu'on a, qu a découvert a retenir, des choses on a techniquement a qu'on ne connaissait pas. On n'a pas découvert, contrairement à ce qu'on avait appris à l'époque euh, des révélations Snowden. Ouais. On n'a pas découvert de choses exceptionnelles. Ouais, il faut pas, pas confondre. Hein. Snowden, c'était en plus, c'était sur la NSA. Euh, voilà. Euh, 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 à la limite, ça concernait plus de monde. Oui, ça concernait beaucoup plus de noms, puisque c'était euh, là, pour le coup, de la NSA, des, 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 une, comment dire, un espionnage massif, massif qui, concerne, ouais. qui peut concerner vous, moi, euh, n'importe qui, puisque mmh. la, la NSA fait de la collecte de masse de données pour ensuite essayer de trouver euh, ce qui va être intéressant bien derrière. Sûr. La CIA travaille de manière différente. Ils ont des cibles et donc ils vont essayer de pirater euh, l'ordinateur, le téléphone de quelqu'un parce que cette personne les intéresse, parce qu'ils veulent avoir des informations sur elle. Donc évidemment, ça concerne bien moins de gens bien que, sûr. Ce que, que ce qu'avait allé époque que lançait Snowden. Cependant, on a quand même découvert des choses un petit peu plus surprenantes que d'autres. Alors c'est évidemment ce qu'a mis Wikileaks en avant. Euh, dans, ces, euh, dans, ces, euh, ces dans ces révélations ouais. euh, notamment euh, bah, qu'il y avait des maintenant que la CIA comme d'ailleurs on l'avait appris pour la NSA il y a quelques temps euh, s'intéresse beaucoup à l'internet des objets au fait que tous les objets mmh. sont connectés désormais à internet et qu'en plus ils ont, on a, ils ont de la chance ils sont très mal sécurisés donc euh, là on, là ce qu'ils ont mis en avant par exemple c'était le hack euh, d'un modèle de smart TV Samsung ouais. donc euh, ça c'est plutôt rigolo parce que c'est un petit peu voilà ça fait film des Hein, ils implantent en fait un malware dans, dans, dans une télé connectée et ça permet de créer un faux mode off euh, dans lequel vous croyez que vous avez éteint votre télé mais elle continue à fonctionner oui. et en plus à enregistrer tout ce qui se dans espion, la pièce. Ouais. Voilà. Mais alors est-ce qu'il faut quand même préciser c'est que d'abord euh, apparemment ça concernait un modèle de télé un qui, modèle qui est ancien qui, est, hein, est qui date de 2013 je crois oui donc euh, voilà qui n'est qui n'est pas utilisé je crois que c'est même pas Tyson donc c'était qui n'est la, la plateforme aujourd'hui ouais. utilisée par euh, Samsung. Et puis euh, il fallait euh, malgré tout avoir un accès euh, physique à au téléviseur. Il faut téléviseur. en avoir un, accès physique, mais bon ça c'est aussi le boulot de la CIA, ouais. c'est de, de pouvoir euh, voilà avoir là, des de, gens de, de qui, se, dé, qui en... se déplacent, ceux qui se cachent et qui peuvent éventuellement euh, implanter une clé, clé USB sans qu'on les voit. Mm. Euh, effectivement, ça, ça demande bien souvent un accès physique. Et beaucoup de DA qu'on peut découvrir là euh, nécessite effectivement un accès physique. C'est ouais. bon, pas, bon, pas, mais... pas bouleversant, malgré tout. C'est pas, hein, pas bouleversant euh... non plus pour euh, ce qui, non mais on apprend quand même pas mal de choses. On apprend par exemple que la CIA euh, a acheté euh, des ce qu'on appelle des zéro days, des failles zéro days mm -hmm. sur le marché. Il y a beaucoup d'entreprises, même il y en a une française qui est assez connue qui fait ça, qui vend euh, des qui vend ça, des ça, failles ça, à des agences gouvernementales ouais. et là on a des preuves effectivement que la CIA a acheté euh, de telles failles sur le marché si vous voulez pour ça, ça peut valoir très très cher hein. c'est à dire que c'est des hackers qui détectent des vulnérabilités voilà, et qui ensuite les vendent et qui euh, les vendent et qui les mais vendent mais et ils ne, les, ils ne les révèlent pas publiquement ils, Voilà, exactement. Ils sont d'ailleurs assez détestés par la communauté, puisqu'en général, ce qu'on fait quand on est plutôt faire, c'est ouais. que quand on détecte une faille, on dit bah, attention, votre logiciel a une faille et ce serait bien que vous le corrigiez. Ouais, Mais ouais, ils ne font sûr. pas ça. Ils vont par exemple les vendre à la NSA, à la CIA, ouais. des agences de renseignement. Et là, on l'a appris, on a la preuve dans ces documents que la CIA avait ce et genre de pratique. Ça. ça montre aussi finalement, et ça c'est intéressant, je trouve, que la CIA ne sont pas des super hackers de la mort. Oui, bah vous voilà, voilà. c'est ça, c'est incroyable. Voilà, on a, on a ils sont à... un peu à la traîne, non bah, ils traîne bon on a on n'a pas tout vu hein, ce document mmh. c'est d'après wikileaks en plus c'est 1% de ce qu'ils ont pu euh, obtenir euh, on n'a pas tout vu euh, faut pas dire non plus que la cia euh, je pense sont, sont des losers ça m'étonnerait mais non, effectivement pas, pas, ce ils ont, pas ce que je voulais ils dire non, ils pas, <laughs> pas non, sais, mais ils n'ont pas effectivement pas me mettre mal avec la cia hein, en y fait y pas de ce problème qu on, ce qu'on se rend compte c'est qu'ils n'ont pas de super pouvoir mmh. et ils ont là on l'a bien vu par exemple vous savez pour ces pour ces, ces, ces messageries chiffrées qu'on a qui existent aujourd'hui whatsapp Signal ouais, 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 ces applis qui permettent de communiquer sans se faire Repérer, mmh. alors il y a beaucoup de théoriciens de conspiration qui nous expliquent que les américains ont des backdoors qui permettent de, bah, de, de surveiller tout ce qu'on dit, y compris quand c'est chiffré. Bah, avec ces documents, on se rend compte que non, mmh. en fait, la CIA ne peut pas pénétrer ces, ces applications. Elle peut mmh. le faire quand elle, quand, elle, quand elle bug, on va dire, le téléphone sur lequel elles sont installées, mais elle, 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 elle n'a aucun moyen de déchiffrer une conversation. Ouais, ils n'ont pas cassé euh, Donc euh, ça, c'est intéressant quand même. On se rend compte que la CIA, c'est pas des super-héros du, du, du piratage, ouais, ouais. ils sont pas plus forts que certains que certains hackers qu'on connaît très bien aujourd'hui euh, et qui sont, voilà, qui sont connus sur, dans, sur la place, mais, euh, ils ont, mais ils utilisent un petit peu les mêmes genres de techniques. On a Jeda euh, Final sur Twitter qui nous dit, bon, ils se croient tout permis, mais attention, aujourd'hui on parle de la CIA, mais bien entendu, ils ne sont pas les seuls dans le monde à faire ça. Non, ça c'est sûr que je, je suppose que <laughs> les nos services en France font le même, la, la, le même genre bien de choses. Bien sûr. Chose. On a même vu, hein, on se rappelle de certains logiciels qui ont fuité étrangement sur Internet ces dernières années, mm. qui apparemment était, avaient été créés par, des, par le renseignement français. Évidemment que toutes les agences de renseignement utilisent des mêmes techniques, hein, qui sont Bien des sûr. techniques de piratage euh, classiques, euh, qui sont pas forcément des trucs très légaux. Hein, forcément ce n'est pas C'est ouais, la zone de flou de, du renseignement. Mais hein. euh, ce sont des, des techniques qui sont utilisées par euh, par toutes les agences ouais. de renseignement. Là, évidemment, par contre, c'est un gros problème pour la CIA quand même, parce que effectivement, ça montre leur petite cuisine interne. On sait du coup comment ils fonctionnent, où sont leurs limites. Et puis il y a quand même il euh, y a, y a beaucoup de choses qui ont été annoncées euh, qui font que... Du coup, bah, euh, et c'est je trouve ça plutôt bien d'ailleurs. Euh, bah, les éditeurs logiciels vont prendre davantage de mesures pour se protéger peut-être. Par exemple, il y a l'histoire des antivirus. Hein. La, la, la CIA, par exemple, fait en sorte de passer sous les radars des antivirus pour éviter que leur, leur, leur code, si vous voulez, soit, soit, soit repéré. Ouais. Euh, lorsque vous donc avez ils ne sont pas détectés par les antivirus euh, Ça dépend des cas. Hein. Parce que là encore, si on considère le document, c'est des documents qui peuvent avoir plusieurs années. Les antivirus sont mis à jour mmh, très très régulièrement. Donc c'est difficile de répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Évidemment qu'à la lumière de ça euh, les éditeurs d'antivirus vont faire des vont faire en sorte d'optimiser de, de, leur logiciel pour mieux détecter ouais, il y a euh, toujours un, de, euh, voilà, un, un bien pour, souris, pour un euh, mal quoi voilà, enfin, euh, exactement. Ouais, ouais. Euh, bon alors la question finalement eric euh, est évidemment une question un peu naïve mais on peut se la poser est ce que nous pauvres mortels on a à, à s'inquiéter de ce type de surveillance bah, si vous avez quelque chose de très très grave, vous vous reprochez peut-être. Ouais. <laughs> non, euh, non, euh, non, effectivement, il, y a, il peut y avoir un, pas beaucoup moins en tout cas que ce qui s'est passé avec la NSA, né, qui, nous, qui nous surveille toujours d'ailleurs. Hein. Ouais. Euh, C'est pas fini depuis que... Beaucoup moins, évidemment, mais il y a quand même des effets de bord qui peuvent arriver. C'est-à-dire voilà. que euh, bah, euh, si on sait que telle faille dans Windows a été en, ou dans iOS ou dans Android a été, euh, a été montrée dans ces documents. Alors que celles qu'on montre dans ces documents sont un peu vieilles, donc je ne mmh. pense pas qu'elles soient vraiment exploitables. Euh, mais effectivement, quelqu'un pourrait en profiter de toutes ces informations pour... pour voilà, si ce n'est pas la CIA qui nous espionne, nous... À partir du moment où les techniques sont réalisables, peut-être accessibles à d'autres. Eh ben, c'est plus facile, évidemment. En fait, le problème, c'est que voilà, de, de, ce genre de révélation bah, amoindrit la sécurité de l'ensemble ouais. des systèmes informatiques, puisqu'il y en a, puisque, évidemment, euh, bah, elles sont publiques. Quoi. Donc, du coup, euh, il, est il est plus facile, même si je, je, si je, je, je rappelle que Wikileaks n'a pas non plus publié toutes les codes des cyberarmes, c'est comme ça qu'ils les appellent, de la CIA. Ils n'ont pas publié les codes sources qui permettent euh, éventuellement d'attaquer. Concrètement, une machine, un iPhone, un PC, un Mac, mmh. euh, voilà. Suite à ces révélations, craignez-vous euh, la surveillance à distance C'est la question 01 Live Orange du jour. Euh, je ne sais pas si on peut faire un petit point tout de suite. Non, on l'a pas pour l'instant la question 01 Live Orange. Donc vous continuez malgré tout à, à répondre en allant sur 01net.com et puis on fera le point tout à l'heure. Merci beaucoup, Eric Le Bourlou. On va passer de la surveillance de la CIA à des petits robots. Ils sont pas là pour nous espionner, mais plutôt pour nous secourir. Amélie Charnet, salut. Salut. Amélie, vous êtes allée au. C'est quoi C'est le salon de la robotique. Non, pas du tout. Ah bah. C'est pas un salon. D'accord. Parce qu'il n'est pas <laughs> du tout ouvert au public, c'est un concours. C'est le concours de la robotique extérieure. D'accord. Alors c'est la deuxième fois seulement qu'il a lieu. Il est organisé par le ministère de l'économie. C'est pour un peu promouvoir les PME françaises qui travaillent dans le domaine et mmh. surtout bah, montrer un peu l'état de l'art de ce que la France est capable de faire en matière de robotique. Bon, alors on est bon ou pas bah, on est pas mal. Euh, c'est vrai que ça permet d'avoir un, un petit aperçu des tendances. Moi, c'était la première fois que j'y allais. C'était au Bourget. Euh, donc, il y avait trois sections, euh, maritime, euh, aérienne et terrestre. Et euh, il y avait vraiment énormément de choses euh, au niveau des drones. Mm -hmm. euh, mais je préférais quand même vous parler de mon, mon coup de cœur avant. Alors, c'est quoi le coup, est quoi est le votre coup de cœur C'est le robot pompier, le premier robot pompier à entrer en service. Les, les femmes aiment toujours les pompiers. C'est incroyable. <laughs> c'est le... un robot. C est, c est, même euh, les robots. Je vous présente Colossus. Ouais. Euh, donc, qui est euh, fabriqué par la société euh, Rochelaise euh, Shark Robotics. Ouais. Euh, donc, euh, enfin, là... Il est moins sexy qu'un pompier en uniforme quand même, non ah moi je trouve pas mal, après ouais. vous allez voir quand les LED clignotent, ça fait sens. Ok Amélie, ok. <laughs> donc on va, Chacun le voir, son truc. on va le voir dans les rues de Paris à partir du mois d'avril. Euh, en fait, dans les rues de Paris Mais oui tout à fait. Il va mais quand il, a, les... quand il y aura un incendie euh... oui, ah bah, oui. oui, ils vont pas se balader. C'est pas juste comme pour ça. Se promener. Non, non, se Alors l'idée c'est de non pas de remplacer les pompiers mais de les aider, c'est-à-dire soit de porter leur matériel, soit carrément d'éteindre le feu à leur place mm -hmm. parce qu'en fait ils L'équivalent de ce robot, c'est à peu près la force de 15 hommes. Ah ouais, donc en fait, il peut tracter 250 mètres de tuyau euh, avec deux tonnes, l'équivalent de 2 tonnes d'eau. Et l'idée, c'est vraiment de l'envoyer dans des zones un peu inaccessibles. Soit mmh. le, parce que le terrain est accidenté, ça peut être des, des, des souterrains, des tunnels ou des escaliers. Oui. Soit, Par contre, il ne pourra pas monter sur la grande échelle. Hein. Non, il ne pourra pas monter sur la ça grande ça, échelle, ça je, paraît je difficile. le confirme. Et donc ouais. il peut éteindre le feu, le gaz et il peut même servir à transporter des blessés avec des brancards. Euh, donc euh, c'est ça, donc il fait 250 kilos à peu près. Et ça c'est une, une, une création française. C'est une création française. Alors il y a déjà oh. des prototypes ailleurs dans le monde, euh, aux États-Unis notamment, mais il n'y avait encore aucun robot pompier qui était... Mais en quand France, on dit à... robot, alors c'est un vrai vrai robot, il est autonome ou non. il est télécommandé Il pourrait l'être, mmh. mais euh, pour l'instant, ils ont travaillé, la société a, tra a travaillé avec une vingtaine de casernes en France, et aussi celle de Monaco par exemple. Euh, et en fait, euh, les pompiers tiennent absolument à garder la main dessus, ne veulent pas du tout qu'ils soient autonomes donc ouais. à leur demande il est euh, téléguidé en fait ouais. pourquoi pour des raisons syndicales <laughs> je ne sais pas <laughs> Ou pour des questions de sécurité ok le robot pompier euh, c'est vrai que c'est une super innovation hein, malgré tout ça c'est un truc euh, génial et qu'on va sans doute voir se développer euh, et, euh, et j'ajouterais que ça, plus va, en plus. ça va vraiment euh, permettre aux pompiers d'arriver opérationnels sur le terrain parce que par exemple ils citait le cas de Monaco où parfois en fait ils ont euh, ils ont 10 kilos de matériel mmh. sur le dos ils, ils peuvent avoir des bouteilles de gaz bien sûr, bien sûr. Euh, et ils ils arrivent fatigués, en fait, épuisés au moment où ils doivent intervenir. Ouais, et puis donc ils sont là, sur des zones dangereuses. Donc voilà, ils n'auront rien à porter, hein. ils arriveront frais et dispo pour faire leur travail. Donc ouais. ça va être un soulagement énorme pour eux. Autre coup de cœur alors, il y avait donc un concours euh, mm -hmm. dans les drones. Celui qui a remporté le premier prix de l'innovation, c'est un drone hybride qui s'appelle, euh, je regarde ma petite oui. sèche, Ismanta. Oula. <laughs> euh, alors, en fait, le graal des fabricants de drones, c'est de pouvoir faire décoller un drone euh, de façon euh, horizontale comme un hélicoptère ouais. et ensuite, une fois dans les airs, de les faire circuler euh, comme un avion. Ce serait donc euh, d'arriver à avoir un mix euh, entre les deux. Et ce drone, il est, on peut dire, mi-avion, mi-hélicoptère quelque part, parce qu'en fait, il a un système d'hélice qui euh, peut se positionner différemment. Et euh, donc, c est, c est trois moteur, ces trois moteurs sont orientables. Mmh. Et donc, il, il a... Euh, donc, il décolle comme un, comme, comme, un comme un hélicoptère, mais une fois un qu'il est dans les airs, il se comporte comme un avion, ah ouais, avec ça, la même génial, aérodynamie. Ouais. Donc, le oh. bilan euh, de ça, c'est qu'il va aller plus vite, il va utiliser moins d'énergie, et son autonomie sera plus grande. Super. Donc, pour l'instant, il ne peut avoir comme charge utile qu'un smartphone, hein, qui, ça sert à faire de la cartographie. Euh, mais à terme, si on arrive à perfectionner ce genre de drone, c'est une perspective énorme de développement, parce que euh, si... Notamment pour la livraison, hein, je pense mm -hmm. euh, à Amazon, par exemple, euh, son gros problème, c'est l'autonomie. Pas de tout le monde travaille dessus la nasa planche dessus il y a des prototypes qui existent un peu partout dans le monde mais là c'est euh, l'un des premiers qui est commercialisé en france très Donc, bien. avec bon, a pas de c'est de... pas grand public hein. on oui c'est pas grand est, public voilà, voilà on est vraiment dans le domaine professionnel ouais. super merci beaucoup amélie et j'en avais, avais ah, d'autres si on a le temps, je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on a encore -y vite, temps bah, y a plein, Alors, ce qui était très impressionnant, c'était les drones d'Engie, euh, donc de sa filiale INEO. En, en fait, on a des drones maintenant qui sont capables, alors c'est toujours dans le domaine professionnel, d'avoir de, des actions mécaniques. Et notamment, il y a tout un secteur qui se développe, c'est euh, le travail sur les lignes à haute tension, mm -hmm. qui est extrêmement dangereux, qui nécessitait parfois de couper l'électricité dans toute une zone. Et bien maintenant, on a des drones qui déroulent carrément les, les câbles. On a des drones qui interviennent euh, sur les lignes à de tension donc euh, avant il fallait des hélicoptères je sais pas si vous vous rendez compte quand même du coût de l'opération ah, oui. euh, et donc maintenant avec un simple drone on peut faire ça moi je trouve que les images sont assez impressionnantes euh, qui sont fournies par ng là euh, dans un autre domaine, on va se développer aussi beaucoup les, les, ce qu'on appelle les drones de grande élongation. Ça veut dire que euh, les drones de grande élongation. Voilà, c'est le, le nouveau terme à la mode. Donc en fait, c'est des drones temps. qui sont à, à plusieurs euh, dizaines de kilomètres de portée de, de leur euh, pilote. Euh, Jusqu'à maintenant, en France, il euh, y en a un seul qui arrive à faire ça. C'est Boréal qui, a, qui peut être conduit à 50 kilomètres euh, mm -hmm. euh, de, de son pilote. Et la France réfléchit très sérieusement à pouvoir avoir des drones qu'on piloterait à 100, 150. 200 comme comme l'armée quoi finalement. Voilà, tout reste à faire en matière de législation. Mais elle est atterrissable. Amélie, quand elle parle de drone, on ne peut pas l'arrêter. Il y a Delphine qui piétine derrière. Parce qu'en fait, ils sont en train d'utiliser plein de nouveaux capteurs pour améliorer les performances des drones. Et notamment, il y a un super drone Donecle qui sert à faire l'inspection des avions d'Air France. Et il se passe de GPS, parce qu'en intérieur, c'est super dur d'avoir un signal GPS. Donc avec un système, il se positionne. Grâce à des lasers. Voilà. Bon, ben bah voilà, c'est ça. Hein, si vous aimez les drones, vous avez été servi. Euh, ne ratez pas l'émission spéciale drone d'Amélie Charnet. Hein, très prochainement sur Net TV. La question Zero Net Orange du jour, ça y est, elle marche. Elle marche ou elle marche pas, Jean-David. Elle marche ou elle marche pas Elle marche pas. Visiblement, elle marche pas ce soir. François Saurel revient, on a un gros problème de questions. Bon, je pense qu'elle marchera d'ici quelques minutes. Voilà, ça y est. Suite aux révélations de WikiLeaks, craignez-vous la surveillance à distance Eh bien oui, à presque 70 non, 31 continuez à nous donner votre avis, vous allez sur 01net.com et vous votez. C'est la question d'actu du jour. Tout de suite, on parle de Uber, c'est la chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Elle est là, bonsoir Delphine Sabatier. Salut Jérôme. Directrice des rédactions de 01Net. Delphine, Uber, euh, j'allais dire fait n'importe quoi, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, Uber a quelques <laughs> Uber ennuis. Souffre. Uber souffre en ce moment. Alors il y a plusieurs affaires, pas très bonnes, et notamment une euh, qui est assez surprenante. Uber utiliserait un logiciel pour éviter les contrôles de police. Qu'est-ce que c'est que ça c'est un secret tout à fait inavouable et pourtant Uber a été obligé de reconnaître les faits. Effectivement, ils utilisaient un logiciel qui s'appelle Greyball et qui permettait à ces chauffeurs de trier un peu les clients qu'ils prenaient. Ou non Alors c'est un, un outil qui a été mis en place notamment parce que Hubert avait des, des soucis avec les autorités, il n'était pas forcément autorisé dans toutes les villes mmh -hmm. c'est comme il l'entendait. Et donc il fallait qu'il trouve une solution pour protéger ses chauffeurs euh, des autorités de contrôle. Voilà, l'existence de, de, de ce soft a été révélée par le New York Times. Et donc, bah, face à l'évidence et aux faits, Uber a bien été obligé d'avouer, de reconnaître. Et aujourd'hui, enfin hier soir plus précisément, euh, ils ont indiqué qu'ils allaient désormais interdire ah. l'utilisation de ce logiciel dans cet objectif. Ça ne veut pas dire que ce logiciel va être totalement supprimé, mais il ne devra plus être clé. utilisé. <laughs> Euh, pour euh, s'effacer, pour effacer, pour supprimer euh, les clients euh, dits de contrôle des autorités ou de police. Voilà. Et de alors... toute façon, il risque sinon d'être considéré comme tout à fait illégal hein, ouais. ce logiciel. Ouais, il C'est le, peu... le côté un peu pirate quand même. Hein Absolument. Bon, <laughs> bon et <laughs> alors il fonctionne comment ce logiciel exactement Alors il partait d'une douzaine d'indices en utilisant des données personnelles évidemment des clients disponibles puisque quand on s'inscrit et quand on demande un taxi, on laisse pas mal d'informations. Il y avait des bâtiments notamment gouvernementaux qui étaient totalement hors limite, qui ne pouvaient jamais obtenir de, de, de chauffeur VTC, Tiens. par exemple. <laughs> euh, il y avait aussi un check de, de la carte bancaire à vérifier, le logiciel vérifiait si le numéro de carte bancaire connaît, correspondait au numéro d'une carte personnelle ou alors professionnelle d'un agent municipal. C'était vraiment assez précis tout à fait. Et donc sur cette douzaine d'indices, euh, on pouvait avoir l'attribution d'un code spécifique. Pour certains clients indésirables, qui étaient renvoyés du coup vers une version alternative de l'application Uber et qui pouvaient toujours attendre pour recevoir ah, leur taxi. C'est incroyable. Mais alors bon, évidemment, maintenant qu'on a découvert cette, le poteau rose, c'est pas très très bon en termes d'image de marque. Oui, c'est très mauvais, d'autant plus que ça vient s'ajouter à une série d'affaires vraiment mmh. désastreuses pour l'image de l'entreprise. Euh, dernière en date, par exemple, une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. J'imagine que pas mal de gens ont pu apprécier cette vidéo qui a été donnée à Bloomberg par un chauffeur qui un soir s'est retrouvé à prendre euh, en course le patron du beurre. Mmh, Super. Travis Kalanick. Tout se passe très bien. Il y a de la musique dans la voiture. Il est avec deux amis. <laughs> et puis à la fin, eh bien, et bien euh, donc euh, va euh, sortir. Et puis euh, le chauffeur lui dit, bah, je ne sais pas si vous me reconnaissez, euh, mais bon, moi je vous connais en gros, hein, je sais qui vous êtes. Et la conversation s'engage. Le chauffeur dit que c'est un ancien de la maison. Et puis il commence à lui expliquer que là, maintenant, il commence à en avoir marre, que les prix changent sans <laughs> arrêt, ils sont à la baisse. Il vide son sac. Quoi. Et en gros, il est Ruiné, donc mmh. il ne s'en sort pas économiquement. Le patron du beurre essaye vaguement de se défendre, mais enfin très rapidement, en lui disant Mais tu comprends, il y a de la concurrence, c'est compliqué. Mmh. Et puis vite, il l'envoie clairement balader, lui et ses ennuis, en lui disant En gros, euh, ça suffit, euh, c'est pas parce que tu as des problèmes dans la vie qu'il faut tout me mettre sur le dos. Cette, cette vidéo est absolument désastreuse mmh. pour l'image du patron du beurre, une fois de plus. Et alors, du coup, il a même été obligé de s'excuser Ouais, il a même publié un profond mea culpa. Euh, à l'américaine, hein, voilà, oui, alors, bah ouais. euh, très, grand spectacle. Donc, euh, oui, voilà, je suis nulle, en gros. Euh, il faut que je grandisse. Alors, et pourtant, il est pas si jeune, hein, <laughs> c'est un quadragénaire, mais. Euh, et oui, vous savez, on me apprend me fasse, à tout âge. Hein. C'est vrai, oui, il faut oui. que je me fasse aider euh, dans, euh, dans ma position de dirigeant aujourd'hui d'une grande entreprise. Ah oui, donc, voilà, oui. il est en train de chercher un bras droit parce qu'en gros, il s'en sort pas. Euh, c'est pas un, un manager dépassé. à la hauteur des défis euh, qui sont à relever. Ouais, ça dit, il y a sans doute un peu de vrai là-dedans. Hein. Oui, euh, et puis d'autant que des défis, là, il il en a aussi beaucoup à relever puisqu'il a aussi une affaire euh, qui n'est pas très drôle pour lui puisque Google l'accuse, accuse, accuse ah oui, Uber d'avoir volé euh, la technologie de la voiture autonome. Et ça, ça pourrait lui faire vraiment très, ça, très, 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 mal. Ça pourrait même ouais. plomber totalement l'entreprise. Ouais, ouais. Bon, à suivre. Voilà, Uber va mal. Affaire à, à suivre tout enfin, à l'heure. va mal, va mal. Oui, on, va, on va voir. C'est vrai que ça, ça fait des ordres. Ça fait beaucoup. Bon. Merci beaucoup Delphine Sabatier, qu'on retrouve chaque jeudi à 18h15 pour sa chronique Zoom Actu. Et maintenant, c'est le labo, place à ces objets dont vous raffolez. On va parler smartphone, on va parler bracelets connectés avec nos spécialistes tout de suite. Ils sont là, la crème de la crème du test produit connecté en tout genre. Raphaël Grablis, salut Raphaël. Salut Jérôme. Et Jean-Sébastien Zanki, bonsoir Jean-Sébastien. Bonjour à tous. Allez, on va commencer avec toi Jean-Sébastien avec un petit... Smartphone, parce qu'on aime les smartphones sur Net. Tout à fait, on aime <laughs> les smartphones. et euh, On parle beaucoup de, de Huawei dernièrement qui a présenté son P10 au Mobile World Congress. Oui, c'était à suivre, voilà, euh, à vivre des, sur Zero exactement, Net, TV. Qui était un peu une des stars du, du salon de, de Barcelone. Euh, et on a un petit peu passé outre un autre modèle entrée de gamme de Huawei mmh. qui s'appelle le P8 Lite 2017, qui est en fait la nouvelle version du, du P8 Lite qui était sorti en 2015. Alors c'est un peu étonnant que Huawei appelle son téléphone encore P8. Euh, Light, oui alors, alors qu'on est, est déjà au P10, euh, par ailleurs, ouais. mais en fait le Huawei nous a expliqué que le P8 Lite est tout simplement leur meilleure vente en France, euh, de tout modèle confondu. Un petit peu comme le Galaxy A5 chez voilà, Samsung, c'est un, un modèle très populaire parce ouais. que c'est un modèle qui est seulement à 250 euros en fait, donc euh, vraiment hyper abordable. Et pour ce, cette nouvelle version, euh, Huawei a vraiment réussi son coup, c'est-à-dire qu'en euh, matière de design, euh, ils sont passés à, à vraiment un dos, un dos en verre euh, qui, euh, qui est très très joli. Il y a l'apparition d'un capteur d'empreinte digitale qui, qui se trouve au dos de l'appareil. Euh, oui, les... il a, il a, il a tout d'une grande, comme dirait l'autre. Ouais, tout à fait, hein l'écran est un écran full HD hein avec euh, vraiment, on a mesuré, euh, la luminosité est excellente, euh, le contraste aussi. Euh, il est plutôt, plutôt euh, puissant puisque les jeux en 3D, ils passent, euh, ils passent euh, presque sans problème on va dire sur les ouais. jeux les plus gourmands il y a peut-être quelques détails en moins mais en tout cas ça, ça tourne vraiment mais très on, bien On a l'impression qu'aujourd'hui finalement les constructeurs sont arrivés à un tel, une telle maîtrise qu'ils vont peut-être même devoir se, se brider pour sortir des produits oui. euh, pas trop chers oui. alors qu'en fait euh, ces appareils peuvent tout faire. Bah c'est vrai que c'est des appareils qui en fait ressemblent un peu à du haut de gamme d'il y a deux ans, ouais. un an, deux ans voilà c'est des modèles qui, qui tournent très bien et donc aux constructeurs d'innover encore plus sur les, modèles, sur les modèles haut de gamme pour se différencier. Là, en l'occurrence, la grosse différence qui reste entre, en général, les modèles haut de gamme et, et ceux un peu moins chers comme celui-ci, c'est quand même sur la qualité photo. Euh, mmh. Alors attention, ouais. ce P8 Lite euh, 2017 est, est loin d'être euh, d'être nul en photo, mais euh, effectivement, il est un petit peu en dessous euh, du bah, p Il faut, il faut bien qu'il en reste tester. un peu. Au, au voilà, goût. forcément, c'est vraiment hein. sur ce genre de, de choses ouais. que, que la différence se fait. 200 euros environ. 250 euros. 250€. 250 voilà C'est vraiment euh, un des coups de cœur du moment. Ouais. L'autonomie. Téléphone et autonomie euh, plutôt bonne. Il a tenu ouais. euh, presque 10 heures en auto. En utilisation polyvalente. Super. Il est euh, voilà, franchement, bon. euh, si on veut avoir un téléphone abordable, joli, puissant, euh, celui-ci c'est un excellent choix. Il est en ce labellisé 01net. Tout à fait. Ouais. Super. Merci, Jean-Sébastien. <laughs> alors, euh, compagnon euh, plutôt sympa du smartphone, euh, Raphaël. Bracelet connecté. Le bracelet connecté. Hein Et euh, Fitbit, donc le leader mondial des euh, bracelets connectés, mm -hmm. euh, qui vient de lancer le Alta HR. Alors, là, il y avait déjà eu le Alta. Alors, Alta, Alta, tout simplement. Voilà, est-ce qu'on voilà, si oui, on, on va le voir. voir on a, va voir ce beau bracelet que tu as au poignet. Que j'ai au poignet depuis euh, mardi matin. Mmh. Raphaël, est l'homme le plus euh, qui a toujours un bracelet électronique en fait, chose, un peu comme un prisonnier. C'est notre voilà. prisonnier à nous. Il a toujours un bracelet électronique euh, <laughs> voilà. quelque part Et sur alors, lui. pour resituer en gros la nouveauté par rapport au Alta l'année dernière, c'est que il y a un capteur cardio cette fois, que c'est le bracelet le plus fin au monde avec capteur cardio. Alors ça c'est ce que dit Fitbit. Moi, je dirais plutôt le plus étroit parce qu'effectivement c'est étroit, c'est assez fin. Mais en finesse, fin ou étroit, faut pas Non mais voilà, étroit de, voilà, il est assez vertical. Par contre, si on voit voilà l'épaisseur, quand même, on est, je dirais, je sais pas, un centimètre. Le petit truc à côté, c'est décoratif, ça, c'est personnel, ça, on rien à voir. c'est personnel. Il n'y a pas tout le pack dedans. D'accord. Juste le Voilà, donc il est quand même assez. Assez épais, et surtout que la, donc la, la nouveauté c'est le capteur cardio, et en fait c'est toute la partie sommeil qui a été repensée, parce que Fitbit allie les données du capteur cardio avec mmh. l'accéléromètre pour aller voir notre qualité de sommeil en détail, pour voir notre sommeil euh, paradoxal, notre sommeil profond, notre sommeil léger, etc. Mmh. Donc pour pouvoir vraiment identifier... Donc il faut le garder pour dormir. Donc il faut le garder pour dormir. Ouais. Et, donc, et on le recharge fait, euh... quand alors Alors justement, il tient 7 jours. Ah, c'est bien. Théoriquement. Euh, pour le moment, je l'ai mis mardi matin et honnêtement, la batterie a assez peu baissé. Donc, je pense que la promesse des 7 jours va être tenue. Je le, je le porte vraiment tous les jours, nuit et jour. Après, j'avoue que euh, la nuit, le soir, de temps en temps, on peut le sentir un peu. C'est quand même assez épais. Bah oui. On peut être un peu tenté de l'enlever. Ouais. Euh, il faut s'y habituer. Voilà. C'est la petite le Et petit pour le sport, tout négatif. ça euh... Pour le sport, c'est pas mal. Honnêtement, c'est vraiment le basique du basique pour le sport. C'est mmh. pas un bracelet de sport. Ça reste dans le domaine du tracker quotidien. Euh, en tout cas, donc est... on, a, on a le cardio, la fréquence cardiaque, donc pour moi qui, voilà, fait le qui je job cours quoi. un petit peu. Mon but c'est juste de voir euh, le rythme cardiaque, ça fait le job, il, fait le fait, job. Voilà, il est exactement. plutôt joli en tout cas. Il, il est, est pas mal du tout. Est, est voilà, mis à part ce petit défaut d'épaisseur, il, mmh. il est bien. Euh, il sera vendu à partir du mois d'avril 150 euros. D'accord. On va dire relativement accessible. 150 euros à partir d'avril voilà, chez, chez bien Fitbit. le Fitbit Alta HR voilà. et on va terminer par un accessoire pour ouais. smartphone pour smartphone euh, euh, qui est pas c'est très... bien, bien de parler de ça parce qu'il y a, y a pas original, énormément mais... de choses à, à signaler ici, voilà. si, si, puis ça intéresse toujours les, les, les utilisateurs de smartphone que bah, nous sommes en tous en fait justement c'est pas original mais on n'en parle pas souvent et de temps en temps c'est bien de faire un test d'une coque comme ça vrai. alors ça c'est la coque de chez MoFi. MoFi, c'est vraiment l'un des leaders aussi des ouais, euh, accessoires pour smartphone haut de gamme en général et lui-même fait des produits assez haut de gamme. Cette coque c'est une coque batterie donc qui va ajouter de l'endurance à son smartphone. Ça c'est une version pour iPhone 7. Il euh, y a aussi des versions pour tous les derniers iPhones, pour le Galaxy S7, pour le Galaxy S6, etc. Ça coûte 110 euros, donc mmh. c'est quand même pas donné. Ouais, après, ça ajoute euh, 2500 mAh heure au niveau de la capacité donc, de la ça batterie. Fait quoi on double en gros, on est censé doubler l'autonomie. Moi, je l'ai mis à l'épreuve dans les conditions peut-être les plus difficiles. C'est à Barcelone, au World Congress. Ah oui, ça, c'est des quand conditions est, voilà. très éprouvantes. Donc, juste pour pour situer, les machines et pour les hommes. Pour, ouais, pour les deux. <laughs> et donc, pour en gros, pour situer par rapport aux gens, c'est vrai que quand on est journaliste à Barcelone ou dans un salon en général, on passe son temps à tweeter, à prendre des photos, à communiquer par chat avec les, les uns et les autres. C'est vrai qu'il fonctionne non-stop, en fait. Le, ça ne s'arrête les... jamais. Moi, enfin, j'estime personnellement que sur un salon, je fais trois cycles de batterie par jour. Je pense qu'il faut wow, que je recharge quasiment ouais ouais, deux fois le smartphone dans la journée. <laughs> donc ça, je l'ai testé à Barcelone, euh, sur, mon, euh, sur mon iPhone 7, par exemple, que j'ai pris. Euh, la batterie est descendue à 20%. Je l'ai activé, donc on recharge ça, par un petit bouton, Hop, on active. Donc là, il reste trois barres sur quatre d'autonomie. Et ça recharge le smartphone. Je suis remonté qu'à 87%. Et après, la batterie ah. était morte. Alors en fait, ce n'est pas pour ça que la promesse n'est pas tenue. Est ça voulait 13%. C'est pas ça, plus les 20%, j'ai pas démarré. Ah oui, d'accord, voilà. Mais le truc, c'est que moi, le smartphone, bah, je l'utilisais pendant mmh. que ça rechargeait. Donc oui. forcément, eh je oui, bien sûr. aussi eh, une... Voilà. Donc j'ai refait un test en condition mmh. plus classique, sans me servir du téléphone. Enfin, condition plus classique. Je pense qu'aussi les gens dans la journée ils se servent oui. de leur smartphone. Mmh. Euh, effectivement, là, on s'approche plus des 90% avec un temps de charge qui est de l'ordre de 2 heures. Donc ça c'est correct. Voilà. C'est pas mal, il y a deux petits bémols déjà qu'elle est assez glissante. Donc ça fait office aussi de coque de protection. Oui. La matière est assez agréable, ouais, mais un peu glissante. Ah oui. Euh, oui. voilà quand on tient le téléphone comme ça ajoute forcément ouais. un peu de poids faut et pas surtout, prendre sa douche avec quoi, il ouais, euh, on va éviter euh, si possible et alors un gros bémol pour moi pour un produit qui coûte ce prix là euh, donc 110 euros c'est que le port c'est un port micro usb oh et c'est oh pas Dieu. du lightning donc Sacrillez. faut avoir faut se balader voilà je le mets face à la caméra faut avoir deux câbles faut sur avoir son sur câble soi. son câble en plus du câble pour iphone ouais, oui. puisque si on veut ah. recharger aussi l'iphone directement euh, voilà, oui, dire. mais est-ce que euh, soyons réalistes, c'est pas plus répandu le câble micro USB que le câble Lightning. Parce non, mais que... ce qu'on peut bah, faire, c'est recharger la batterie pour recharger l'iPhone quand ouais. on est en déplacement. Mmh. Voilà. Après, euh, ce serait dommage. Ils auraient pu mettre du Lightning si c'est pour iPhone. Moi, je trouve qu'ils auraient dû mettre du Lightning. Ça aurait été plus simple pour tout le monde. Voilà, après c'est une batterie aussi de dépannage, donc un cycle, grosso modo, ça fait pas oublier que l'iPhone 7, c'est un des smartphones dont l'autonomie n'est pas vraiment formidable. Mmh. Donc grosso modo, vous ne partez pas en week-end avec, ça va être très limite. Moi j'ai fait un cycle, je l'ai rechargé, j'ai fini la journée à 5%, donc c'était très limite. Donc vous ne tenez pas le, le week-end avec. Voilà. Et euh, Raphaël, il y a Lucien sur Twitter qui nous demande si ça existe pour iPhone 6S. Oui, oui, oui c'est oui, iPhone 6, iPhone 6S, oui, il y a tout, je crois hein, que ça remonte jusqu'à en fait. l'iPhone 5S, un truc comme ça, il y a l'iPhone SE évidemment. D'accord. Et du côté d'Android, il y a euh, Samsung, Galaxy, voilà, ouais. et non le reste après. Oui, c'est vrai plus que Mofi, c'est une des marques leaders vraiment de Oui, euh, c'est ce vraiment un des, un des leaders du marché. Ouais. Très bien. Et eh bien super, merci beaucoup. Merci. Dernier petit tour du côté de la question 0Net Orange. Euh, suite aux révélations Wikileaks, craignez-vous la surveillance à distance. Oui à 70%, non à 30%. Vous pouvez continuer à voter, bien entendu. Ça nous intéresse d'avoir votre point de vue sur cette question. Merci de nous avoir suivis. J'ai vu passer un tweet demandant où était François Sorel. Alors c'est que vous avez raté le début parce que je l'ai dit, il est allé prendre quelques vacances. Il nous reviendra prochainement. Il n'a rien à voir avec la CIA, hein, contrairement à ce qu'on peut dire également sur Twitter. Ça n'a aucun rapport avec l'absence de François aujourd'hui. Merci à Noémie Lefebvre. Marek qui a préparé cette émission, merci également à Jean-David Duart et, euh, et Pierre Thiolin. Euh, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Zéro live en direct, salut à tous.